Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici maintenant dans une autre prestation, et pas des moindres, parce que c'est une prestation maintenant que va nous offrir le public, comme vous l'avez pu le découvrir en début de soirée. Là, le Kawan, vous avez pu découvrir, et vous allez redécouvrir le kick, et donc pas des moindres, parce que nous allons affaire avec, là aussi, des valeurs internationales sur les hanches. Vous allez découvrir deux personnages qui sont à la fois attachantes, qui sont plus que respectueuses, qui ont deux trajets différents qui les ont amenés à la découverte de cette discipline, boxe qui prend. Et un grand respect en tout cas à eux, parce qu'ils ont fait des placements tout simplement pour avoir une belle confrontation. Et devant, on va dire, voilà, on n'est pas devant les caméras de télévision et autres. Par contre, ils ont les moyens pour l'être devant les caméras de télé. Pourtant, ils ont décidé de prendre tout simplement leur quiche, comme on dit, face à un public et pas des moindres, puisque c'est le vôtre. Voici donc le dernier combat de cette soirée. Nous voici donc en très belle confrontation avec un club qui n'est pas très loin d'ici, hein, c'est le club de Caen. On est donc dans le Calvados. Voici Frédéric Cox. Sur la scène de la boxe pied-point, et c'est un honneur également de le recevoir en même temps que Frédéric. C'est une très belle confrontation que vous allez avoir ce soir. Voici Patrick Malice. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit, I was kicking to you. Had some fun on the run, though I give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't I tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine. Never saw you could have it. You needed me. Ooh. You needed me. But baby, who you need? You let her ride it up, break it down like a bird. She would never run. She would never run. That's the real, the real. Are you serious? How you feel? How you feel? You used to trip off that shit. I was kicking to you. Had some fun on the run, though I guarantee. But baby. Mesdames et Messieurs, la présentation de ce dernier combat de cette soirée dans le coin rouge sociétaire.
du club de Caen. Il accuse un poids de 79,4 kg sur la balance cet après-midi. Ils ont eu l'honneur également d'être présents vers notre partenaire Iberu pour cette pesée officielle. Il est trois fois champion du monde, une fois champion du monde Caroman, une fois champion du monde kickboxing, une fois champion du monde full contact. Voici Frédéric Kovacs. Son adversaire du full contact, ce mec qui est, du moment où vous pourrez découvrir, en tout cas qu'il avait lui aussi des valeurs internationales, puisque c'est en 2012 qu'il prend son titre de champion d'Europe, en 2014 et 2011, c'est les titres de champion de France, full contact, mais également aussi boxe française qu'il prend donc sur des ceintures et sur ses hanches les valeurs nationales. Membre également de l'équipe de France, il est âgé de 28 ans, il mesure 1m84, voici Patrick Malice. Thank you.
Reste couvert, main droite. Fight. Allez,
masse. D'accord. Mets ta jambe avant. Travaille. Circulaire. En haut, là. Évite de faire un masse pas trop mal. Tu mets à distance en face. D'accord. Allez, on accélère. Voilà.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai commencé mon discours,
Je disais, en tout début de gala, je disais que quand quel que soit, qu'on soit petit ou grand boxeur, peu importe, grand combattant, il ne faut jamais oublier d'où est-ce que l'on vient, et vous n'avez pas oublié le travail que vous avez fait. Patrick, lorsqu'on vient de la BF, par exemple, Patrick, quand on vient de la BF, et du football, arrivé sur des disciplines comme le kick ou le karat, peu importe, c'est quoi pour mieux engendrer d'ailleurs cette discipline? Parce que c'est compliqué quand même. J'ai la réponse parce que j'ai tout essayé. Et donc c'est très important, donc, je veux dire, parce que quand on vient de la boxe française comme moi, il faut savoir que la boxe française est une super école pied-point. Quand on va bien, on peut s'adapter à toutes les disciplines pied-point. C'est plus difficile pour les autres qui viennent de la discipline. Et ensuite, surtout, la leçon que j'ai retenue pour mon 115e combat aujourd'hui, là, c'est que dès qu'on vient d'une discipline, on a appris les bases comme ça. Donc quand on vient d'ABF, il ne faut pas chercher après à boxer, quand on boxe au KO, il ne faut pas chercher à boxer fimeux, tout ça et tout. Il faut garder son attitude de base, donc son attitude BF, les déplacements, le travail de liaison, pied-point et tout. Il ne faut pas essayer de changer sa boxe ou s'adapter à la boxe des mecs qui ont commencé par la taille, ou le kawan, ou le full comme Fred et tout. Il faut continuer dans sa discipline et avec le travail de l'entraîneur justement, on adapte, on modifie certains codes, mais la base reste la même. Les déplacements, moi ma boxe c'est la BF, c'est grâce à la BF que j'arrive et mon coach Christophe a trouvé mes qualités que je pouvais exploiter justement dans la discipline, mais tout en restant sur la base comme il dit toujours de la BF. Donc, Quel ciblage vous avez? Parce que ça votre coach a dû certainement vous le dire, quand il vous a vu sortir de la BF, quel ciblage vous avez au niveau de votre envoi de Jean arrière, elle fait toujours mouche et c'est là c'est une grosse qualité parce que vous êtes ancré au sol, au ring, hein, vous êtes ancré et vous envoyez cette jambe et à chaque fois elle fait mouche, même si elle n'est pas à 100% sur l'impact, elle est à 90-95%. Pour te dire en fait, ça me fait plaisir de l'avoir retrouvé parce que pour le moment j'arrive plus trop à la sortir. Mais je sais que depuis que je suis jeune, on m'a toujours dit que mon arme vraiment c'était ma jambe arrière, hein, finition en bas. Et donc voilà, Christophe a réussi à me la faire ressortir. On a beaucoup travaillé pour ça, durement vraiment à 5-6 ans. Mais aujourd'hui, moi, c'est vrai que mon arme c'est ça-là et justement, je la profite à chaque combat, tout le temps, je la profite. Merci Patrick, juste la remarque, un simple.